ne vous conformez pas à ces siècles présents. Amen. 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 Ne vous conformez jamais au monde. Ne ressemblez pas au monde. Amen. Amen. Parce que nous sommes des pèlerins. Notre royaume n'est pas le royaume de ce monde ici. C'est ça. Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Il dit, vous voyez, c'est cela, là, c'est ça notre rôle. Et une personne, un homme doit avoir une église. Amen. 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 Parce que le prophète dit ici, la mère, son rôle, c'est celle qui donne l'enseignement. Pourquoi il donne cet enseignement à l'enfant? Pour que l'enfant soit enseigné. Amen. L'église, c'est ça son rôle. Toi, tu n'as pas d'église. Où est-ce que tu recevras ces choses? Ah, moi, j'écoute des balles dans la maison. Oh. Dieu n'a jamais utilisé des choses mécaniques pour vous transmettre la parole. Tout à fait. Sinon, il y aurait pas de ministère. Oui, tu avais la salle de soi. Amen. Et pourquoi Dieu a établi des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des enseignants? S'il fallait qu'on reste à la maison écouter des balles. Les balles que nous écoutons, c'est un plus. Amen. C'est comme une brebis qui a mangé. Et quand vous allez en Afrique, là, vous allez voir. Ici, je ne sais pas la campagne, si vous voyez là aussi. Mais à un certain moment, ici, il n'y a pas de soleil. Chez nous, là, pendant qu'il fait chaud, toutes les brebis sont sous les arbres. C'est ça. Amen. Mais vous le voyez ruminer. Ruminer. Vous dites amen à ça. Amen. Pendant votre repos, pendant que tu es en train de faire ta vaisselle, c'est un main band. Amen. Même si tu ne comptes pas tout, quelque chose va. Amen. Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Ne suffisent pas. Amen. Vous devez avoir une église. Amen. Vous devez trouver un endroit où Amen. Vous appelez votre église. Amen. Et l'église, vous devez faire un choix. Amen. Vous devez faire ça? Amen. Il y en a plusieurs, mais vous devez faire un choix. Amen. Et cette choix-là aussi, c'est à genoux. C'est comme trouver une femme. Amen. Amen. Redonnons une acclamation au Seigneur. C'est comme trouver une femme. Vous devez prier que Dieu conduise moi. Que je trouve une église. Vous pouvez aller dans certaines églises, vous ressortez avec des esprits. On se demande, mais j'étais bien. Oui. Mais parce que vous partez moulou moulou, comme on dit. Je... Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Vous devez prier. Non, ne mettez pas pied n'importe où. C'est ça. Madame, vous savez. Pied n'importe où, c'est ça. Partout. C'est ça. Où il y a quelque... Donc, il n'y a rien qui est vide. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. L'homme n'est pas vide. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez autre chose. Amen. Amen. Il part, même une maison n'est pas vide. Est-ce que vous savez cela? Amen. Oh, la maison là est vide. Vous entrez là-bas, vous n'êtes pas malade, vous devenez malade. Amen. Vous ne voyez pas des choses musiques, vous commencez à voir la musique. Pourquoi? Parce que vous entrez comme ça. Frère Bana m'a dit à Billy Paul une fois. Ils étaient dans une campagne, ils partaient dans la forêt. Il y avait